Hi everybody, this is week 20 of the book club on the Book Thief. This week we're only going to read two chapters, Champagne and Accordion, and the trilogy. The trilogy is quite long, it's 8 and a bit pages, so we decided that two chapters will be enough for this week, but you'll still have your four questions, and we'll be alternated French and English if it's the first time you're doing this with us, and that's it. C'est notre 20e semaine de notre club de lecture pour La voleuse de livres. Et aujourd'hui, on va seulement lire deux chapitres, car la deuxième, c'est un peu plus long. Ce sont Champagne et Accordéon. Et puis la trilogie, c'est le commencement du partie 7 du livre. Et on aura, comme d'habitude, quatre questions pour vous. Yeah, good point. It's the start of part 7. Speaking of which, part 7, the complete Duden Dictionary and Thesaurus. Featuring Champagne and Accordions, a trilogy, some sirens, a sky stealer, an offer, the long walk to Dachau, peace, an idiot, and some coatmen. Champagne and Accordions. In the summer of 1942, the town of Mulching was preparing for the inevitable. There were still people who refused to believe that this small town on Munich's outskirts could be a target, but the majority of the population was well aware that it was not a question of it, but when. Shelters were more clearly marked, windows were in the process of being blackened for the nights, and everyone knew where the closest basement or cellar was. For Hans Ubermann, this uneasy development was actually a slight reprieve. At an unfortunate time, good luck had somehow found its way into his painting business. People with blinds were desperate enough to enlist his services to paint them. His problem was that black paint was normally used more as a mixer to darken other colors, and it was soon depleted and hard to find. What he did have was the knack of being a good tradesman, and a good tradesman has many tricks. He took coal dust and stirred it through, and he worked cheap. There were many houses in all parts of Mulching in which he confiscated the windows' light from enemy eyes. On some of his work days, Liesel went with him. They carted his paint through town, smelling the hunger on some of the streets and shaking their heads at the wealth on others. Many times on the way home, women with nothing but kids and poverty would come running out and plead with him to paint the blinds. "Frau Halla, I'm sorry, I have no black paint left," he would say. But a little further down the road, he would always break. There was Tallman and Long Street. "Tomorrow," he promised, "first thing." And when the next morning dawned, there he was, painting those blinds for nothing, or for a cookie, or a warm cup of tea. The previous evening, he'd have found another way to turn blue or green or beige to black. Never did he tell them to cover their windows with spare blankets, for he knew it needs them when winter came. He was even known to paint people's blind for half a cigarette, sitting on the front step of a house, sharing a smoke with the occupant. Laughter and smoke rose out of the conversation before they moved on to the next job. When the time came to write, I remember clearly what Liesel Memminger had to say about that summer. A lot of the words have faded over the decades. The paper has suffered from the friction of movement in my pocket, but still many of her sentences have been impossible to forget. A small sample of some girl written words. That summer was a new beginning, a new end. When I look back, I remember my slippery hands of paint on and the sound of Papa's feet on Munich Street. And I know that a small piece of the summer of 1942 belonged to only one man. Who else would do some painting for the price of half a cigarette? That was Papa, that was typical, and I loved him. Every day when they worked together, he would tell Liesel his stories. There was the Great War and how his miserable handwriting helped save his life. And the day he met Mama, he said that she was beautiful once and actually very quiet spoken. Hard to believe, I know, but absolutely true. Each day there was a story, and Liesel forgave him if he told the same one more than once. On other occasion, when she was daydreaming, Papa would dab her lightly with his brush right between the eyes. If he misjudged and there was too much on it, a small pass of paint would dribble down the side of her nose. She would laugh and try to return the favor, but Hans Huberman was a hard man to catch at work. It was there that he was most alive. Whenever they had a break to eat or drink,
he would play the accordion, and it was this that Liesl remembered best. Each morning, while Papa pushed or dragged the paint cart, Liesl carried the instrument. Better that we leave the paint behind, Hans told her, than ever forget the music. When they paused to eat, he would cut up the bread, smearing it with that what little jam remained from the last ration card, or he'd lay a small slice of meat on top of it. They would eat together, sitting on their cans of paint, and with the last mouthful still in the chewing stages, Papa would be whipping his fingers and unbuckling the accordion case. Traces of breadcrumbs were in the creases of his overalls. Paint-specked hands made their way across the buttons and racked over the keys or held on to a note for a while. His arms worked the bellows, giving the instrument the air it needed to breathe. Liesl would sit each day with her hands between her knees in the long legs of daylight. She wanted none of those days to end, and it was always with disappointment that she watched the darkness stride forward. As far as the painting itself was concerned, probably the most interesting aspect for Liesl was the mixing. Like most people, she assumed her papa simply took his card to the paint shop or hardware store and asked for the right color, and away he went. She didn't realize that most of the paint was in lumps in the shape of a brick. It was then rolled out with an empty champagne bottle. Champagne bottles, Hans explained, were ideal for the job as the glass was slightly thicker than that of an ordinary wine, a bottle of wine. Once that was completed, there was the addition of water, whiting, and glue, not to mention the complexities of matching the right color. The science of Papa's trade brought him an even greater level of respect. It was well and good to share bread and music, but it was nice for Liesl to know that he was also more than capable in his occupation. Competence was attractive. One afternoon, a few days after Papa's explanation of the mixing, they were working at one of the wealthier houses just east of Munich Street. Papa called Liesl inside in the early afternoon. They were just about to move on to another job when she heard the unusual volume in his voice. Once inside, she was taken to the kitchen, where two older women and a man sat on delicate, highly civilized chairs. The women were well-dressed. The man had white hair and sideburns like hedges. Tall glasses stood on the table. They were filled with crackling liquid. "Well," said the man, "here we go." He took up his glass and urged the others to do the same. Il avait fait assez chaud, et quand Liesl en saisit une, elle fut étonnée de sa fraîcheur. Elle quêta du regard l'approbation de Hans. « Prost, Made, à ta santé, jeune fille !» lui dit-il avec un sourire en choquant son verre. À la première gorgée, elle fut surprise par la douceur pétillante et un peu écœurante du champagne. Par réflexe, elle la recracha sur la salopette de son papa, où une mousse se forma et mit à dégouliner. Son geste fut accueilli par un éclat de rire unanime et Hans l'encouragea à essayer à nouveau. Cette fois, elle put avaler la gorgée et apprécier le goût d'un plaisir défendu. Finalement, c'était délicieux. Les bulles lui piquaient la langue et lui chatouillaient l'estomac. Elle sentait encore ce picotement un peu plus tard, tandis qu'il se rendait chez les clients suivants. Tout en tirant sa charrette, Hans lui expliqua que ces gens prétendaient ne pas avoir d'argent. « C'est pour ça que tu as réclamé réclamé du champagne ? Et pourquoi pas ?» Il lui jeta un regard de billard, l'éclat argenté de ses yeux plus intense que jamais. « Je ne voulais pas que tu croies que les bouteilles de champagne servent uniquement à écraser les bâtons de peinture. » Puis il ajouta, « Bien sûr, tu ne dis rien à maman, n'est-ce pas ? Je peux raconter à Max ?» À Max, oui, bien sûr. Dans le sous-sol, quand elle rédigea son histoire, Liesl se jura de ne plus jamais boire du champagne, car il n'aurait jamais aussi bon goût qu'en cette chaude après-midi de juillet. De même pour l'accordéon. À plusieurs reprises, elle avait eu envie de demander à Hans de lui apprendre à en jouer, mais quelque chose l'en avait toujours empêché. Peut-être avait-elle l'intuition qu'elle ne saurait jamais jouer comme lui. Sûrement, les plus grands accordéonistes du monde n'arrivaient pas à la cheville de son papa. Il n'arborerait jamais la même expression paisible et concentrée.
Il n'aurait jamais au coin des lèvres une cigarette échangée contre des travaux de peinture. Et il n'aurait jamais un petit rire musical en s'entendant faire une fausse note, pas comme lui. De temps à autre, dans ce sous-sol, elle s'éveillait avec le son de l'accordéon dans l'oreille. Elle sentait la douce brûleur du champagne sur la langue. Et parfois, assise contre le mur, elle avait envie de sentir de nouveau un doigt de peinture tiède descendre le long de son nez ou de contempler la main râpeuse de Hans. Si seulement elle pouvait être à nouveau aussi insouciante, éprouver pareil amour sans en avoir conscience, en le confondant avec des rires et du pain juste tartiné d'une arôme de confiture. C'était la plus belle période de sa vie. Mais c'était un tapis de bombes, il ne faut pas croire. L'éclatante trilogie de bonheur, du bonheur allait perdurer durant l'été et au cours de l'automne. Elle serait ensuite brutalement interrompue, car son éclat aurait éclairé le chemin de la souffrance. Des temps difficiles s'annonçaient comme un défilé. Définition numéro 1 du dictionnaire Duden, Zufriedenheit, bonheur, état de plaisir et de satisfaction. Synonyme, béatitude, bien-être, sentiment de contentement ou de prospérité. Et pour ce chapitre, ma question c'est, pensez à vos souvenirs les plus remplis du Zufriedenheit. Comment sont-ils différents de ceux de Liesel? La trilogie. Pendant que Liesel travaillait, Rudy courait. Il faisait le tour du stade Hubert, tournant autour du pâté de maison et luttait de vitesse avec pratiquement tout le monde entre le bas de la rue Immel et le magasin de Frau Diller, lançant quelquefois des pas à la clé. De temps à autre, quand Liesel aidait Rosa à la cuisine, celle-ci jetait un coup d'œil par la fenêtre et disait « Qu'est-ce que ce petit sac-girl peut bien fabriquer encore? Il passe son temps à courir. » Liesel allait voir à son tour. Au moins, il ne sait pas à nouveau peinture lurée en noir. Effectivement, c'est du progrès. Les maisons de Rudy. À la mi-août, aurait lieu une fête de jeunesse hitlérienne et Rudy avait l'intention de remporter 4 épreuves. Le 1500 mètres, le 400 mètres, le 200 mètres et naturellement le 100 mètres. Il appréciait ses nouveaux chefs de jeunesse hitlérienne et il voulait leur plaire. En outre, il comptait bien démontrer une ou deux choses à son vieux copain, Franz Deutscher. 4 médailles d'or, dit-il une après-midi à Liesel, qui faisait avec lui quelques tours de piste, comme Jesse Owens en 1936. Tu ne serais pas encore obsédé par lui par hasard? Rudy respirait au rythme de ses foulées. Pas exactement, mais ce serait chouette, non? Ça ferait les pieds à tous ces fumiers qui ont dit que j'étais giffré. Ils verraient que je ne suis pas si idiot. Mais tu peux vraiment remporter 4 épreuves? Ils ralentirent à la fin de la piste et Rudy posa ses mains sur les hanches. Il le faut. Il s'entraîna pendant 6 semaines. Le jour de la fête des jeunesses hitlériennes, le ciel était bleu, sans un nuage. Les jeunes membres, leurs parents, pléthore de chefs en chemise brune, envahissaient la pelouse. Rudy Steiner était au sommet de sa forme. « Regarde, » dit-il à Liesel, « voilà Deutscher. » Parmi la foule, l'incarnation de l'idéal blond de jeunesse hitlérienne donnait ses instructions à 2 membres de sa section, qui approuvaient de temps en temps de la tête et faisait quelques étirements. L'un d'eux avait mis sa main en visière pour se protéger du soleil. On aurait dit qu'il saluait. « Tu veux leur dire bonjour ?» demanda Liesel. « Non, merci. Plus tard. » « When I've won. The words were not spoken, but they were definitely there, somewhere between Rudy's blue eyes and Deutscher's advisory hands. There was the obligatory march around the grounds, the anthem, Heil Hitler. Only then could they begin. When Rudy's age group was called for the 1500, Liesel wished him luck in a typically German manner. Aus den Beinbruchsarkel, she told him to break his neck and leg. Boys collected themselves on the far side of the circular field. Some stretched, some focused, and the rest were there because they had to be. Next to Liesel, Rudy's mother, Barbara, sat with her youngest children. A thin blanket was brimming with kids and loosened grass. Can you see Rudy? She asked them. He's the one on the far left.
Barbara Steiner was a kind woman whose hair always looked recently combed. Weird. Where? Said one of the girls. Probably Bettina, the youngest. I can't see him at all. The last one. No, not there. There. They were still in the identification process when the starter's gun gave off its smoke and sound. The small Steiners rushed to the fence. For their first lap, a group of seven boys led the field. On the second, it dropped to five, and on the next lap, four. Rudy was the fourth runner on every lap until the last. A man on the right was saying that the boy coming second looked the best. He was the tallest. You wait, he told his nonplussed wife. With 200 left, he'll break away. The man was wrong. A gargantuan brown-shirted official informed the group that there was one lap to go. He certainly wasn't suffering under the ration system. He called out as the lead pack crossed the line. And it was not the second boy who accelerated, but the fourth. And he was 200 meters early. Rudy ran. He did not look back at any stage. Like an elastic rope, he lengthened his lead until any thought of someone else winning snapped altogether. He took himself around the track as the three runners behind him fought each other over the scraps. In the home stretch, there was nothing but blonde hair and space. And when he crossed the line, he didn't stop. He didn't raise his arm. There wasn't even a bend over relief. He simply walked another 20 meters and eventually looked over his shoulder to watch the others cross the line. On the way back to his family, he met first with his leaders and then with French Deutscher. They both nodded. Steiner, Deutscher, looks like all those laps I gave you paid off, huh? Looks like it. He would not smile until he'd won all four. A point for later reference. Not only was Rudy recognized now as a good school student, he was a gifted athlete too. For Liesl, there was a 400. She finished seventh, then forced in her hit of the 200. All she could see up ahead were the hamstrings and bobbing ponytails of the girls in front. In the long jump, she enjoyed the sand packed around her feet more than any distance. And the shot putt wasn't her greatest moment either. This day, she realized, was Rudy's. In the 400 final, he led from the backstretch to the end, and he won the 200 only narrowly. You getting tired, Liesl asked him. It was early afternoon by then. Of course not. He was breathing heavily and stretching his calves. What are you talking about, Zaumensch? What the hell would you know? When the heats of the 100 were called, he rose slowly to his feet and followed the trail of adolescents towards the track. Liesl went after him. Hey, Rudy, she pulled at his shirt sleeve. Good luck. I'm not tired, he said. I know. He winked at her. He was tired. In his heat, Rudy slowed to finish second, and after 10 minutes of other races, the final was called. Two other boys had looked formidable, and Liesl had a feeling in her stomach that Rudy could not win this one. Tommy Muller, who had finished second to last in his heat, stood with her at the fence. He'll win it, he informed her. I know. Non, il ne va pas gagner. Lorsque les finalistes s'alignèrent au départ, Rudy s'agenouilla et prit ses marques en creusant avec ses mains. Un adulte en chemise brune se précipita pour lui dire d'arrêter. Liesl pouvait voir le doigt tendu de l'homme au crâne dégarni et la terre qui tombait des doigts de Rudy. Liesl serra fort la clôture au moment où le signal fut donné. Le revolver retentit à deux reprises. L'un des concurrents avait fait un faux départ. Rudy. L'officiel revint lui parler et lui approuva de la tête. S'il recommençait, il serait éliminé. Pour la seconde fois, Liesl se concentra sur le départ et pendant quelques instants, elle n'en crut pas ses yeux. Un concurrent avait au nouveau fait un faux départ et c'était le même que précédemment. Elle imagina une course idéale dans laquelle son ami gagnait dans les 10 derniers mètres. Mais la réalité était tout autre. Rudy était en train d'être disqualifié. On le conduisait sur le bord de la piste où il allait regarder seul les autres athlètes disputer la course. Ils s'alignèrent et s'élancèrent en avant. Un garçon aux cheveux brun-roux et à la foulée puissante gagna avec au moins 5 mètres d'avance, sans Rudy. À la fin de la journée, lorsque le soleil disparut de la rue Immel, Liesl s'assit sur le trottoir avec son ami. Ils parlèrent ensemble d'une quantité de choses, comme la tête qu'avait faite Franz Deutscher après les 1500 mètres, ou la crise de nerfs d'une fille de 11 ans qui avait échoué la
au lancement du disque, mais ils évitèrent soigneusement le sujet. Au moment où ils allaient regagner leur domicile respectif, la voix de Rudy rattrapa Lisanne et lui exposa la vérité, une vérité qui demeura quelques instants sur son épaule avant de trouver le chemin de son oreille. Voix de Rudy, je l'ai fait exprès. Lorsqu'elle enregistra cette confession, Lisanne posa la seule question valable. Mais pourquoi, Rudy? Pourquoi as-tu fait ça? Il ne répondit pas, une main posée sur la hanche. Avec un sourire entendu, il rentra chez lui d'un pas nonchalant. Par la suite, ils n'abordèrent plus jamais cette question. Lisanne allait se demander souvent quelle réponse lui aurait donné Rudy si elle avait insisté. Peut-être considérait-il que 3 médailles constituaient une démonstration suffisante, ou alors il craignait de perdre cette dernière course. Finalement, elle s'en tint à l'explication que lui soufflait une voix intérieure. Parce qu'il n'est pas Jesse Owens. C'est seulement au moment où elle se levait qu'elle remarqua les 3 médailles en plaqué or posées à côté d'elle. Elle alla frapper à la porte des Steiner et lui tendit. « Tu as oublié ça? »« Non, je ne les ai pas oubliées. » Il renferma la porte et Lisanne emporta les médailles chez elle. Elle les descendit au sous-sol et parla à Max de son ami Rudy Steiner. C'est vraiment un abruti, conclut-elle. Visiblement, approuva Max, mais je ne crois pas qu'il ait été dupe. Chacun se mit alors au travail. Max se plongea dans son carnet de croquis, Lisanne dans le porteur de rêve. Elle était parvenue à dernière partie, au moment où le jeune prêtre doute de son engagement après sa rencontre avec une femme étrange et élégante. Lorsqu'elle posa le volume sur ses genoux, Max demanda quand elle pensait l'avoir terminé. « Dans quelques jours. Et tu en attaqueras un nouveau ?» La voleuse de livres contempla le plafond. « Peut-être, Max. » Elle referma le livre et s'appuya au mur, avec un peu de chance. Le livre suivant. « Au contraire de ce que vous croyez, ce n'est pas le dictionnaire universel du Dain. » Non, le dictionnaire intervient à la fin de cette petite trilogie et nous en sommes qu'au deuxième volet. Lisanne y termine le porteur de rêve et dérobe un livre intitulé « Un chant dans la nuit ». Comme d'habitude, elle le prend dans la maison des Hermann. La différence, c'est qu'elle s'est rendue seule sur les hauteurs de la ville sans Rudy. C'était une matinée où le soleil brillait dans le ciel, dans un ciel parsemé de nuages légers, comme de l'écume. Lisanne se tenait dans la bibliothèque du maire, les doigts vibrants de désir. Elle était suffisamment en confiance, cette fois, pour promener ses doigts le long des rayonnages. Une brève répétition de sa première visite dans cette pièce. Et elle chuchotait les titres au fur et à mesure de sa progression. Sous le cerisier, le 10e lieutenant. Tous les titres, ou presque la trentaine, mais après une ou deux minutes, elle se décida pour un chant dans la nuit, vraisemblablement parce que le volume était vert et qu'elle n'avait encore aucun livre de cette couleur. Le texte gravé sur la couverture était blanc et entre le titre et le nom de l'auteur, il y avait une petite vignette représentant une flûte. Elle ressortit par la fenêtre, pleine de gratitude. En l'absence de Rudy, elle avait un sentiment de vide, mais ce jour-là précisément, la voleuse de livres préférait être seule. Elle alla entamer sa lecture sur les bords de l'Empire, suffisamment loin du QGG occasionnel de Victor Schemmel et de l'ex-bande d'Arthur Burke. Personne ne vint la déranger et elle put lire 4 des courts chapitres d'un chant dans la nuit, heureuse. It was the pleasure and satisfaction of good stealing. A week later, the trilogy of happiness was completed. In the last days of August, a gift arrived, or in fact, was noticed. It was late afternoon. Lisanne was watching Christina Muller jumping rope on Hemel Street. Rudy Steiner skidded to a stop in front of her on his brother's bike. Do you have some time, he asked. She shrugged. For what? I think you'd better come. He dumped the bike and went to collect the other one from home. In front of her, Lisanne watched the pedal spin. They rode up to Grandestrasse, where Rudy stopped and waited. Well, Lisanne asked, what is it? Rudy pointed, look closer. Gradually, they rode to a better position.
behind a blue spruce tree. Through the prickly branches, Liesl noticed the closed window, and then the object leaning on the glass. Is that? Rudy nodded. They debated the issue for many minutes before they agreed it needed to be done. It had obviously been placed there intentionally, and if it was a trap, it was worth it. Among the powdery blue branches, Liesl said, a book thief would do it. She dropped the bike, observed the street, and crossed the yard. The shadows of clouds were buried among the dusky grass. Were they holes for falling into, or patches of extra darkness for hiding in? Her imagination sent her sliding down one of those holes into the evil clutches of the mayor himself. If nothing else, those thoughts distracted her, and she was at the window even quicker than she'd hoped. It was like the Whistler all over again. Her nerves licked her palms. Small streams of sweat rippled under her arms. When she raised her head, she could read the title, The Complete Dundon Dictionary and Thesaurus. Briefly, she turned to Rudy and mouthed the words, It's a dictionary. He shrugged and held out his arms. She worked methodically, sliding the window upward, wondering how all of this would look from inside the house. She envisioned the sight of her thieving hand reaching up, making the window rise until the book was felled. It seemed to surrender slowly, like a falling tree. Got it. There was barely a disturbance or sound. The book simply tilted toward her, and she took it with her free hand. She even closed the window, nice and smooth, then turned and walked back across the potholes of clouds. Nice, Rudy said as he gave her the bike. Thank you. They rode towards a corner where the day's importance reached them. Liesl knew. It was that feeling again of being watched. A voice pedaled inside her, two laughs. Look at the window, look at the window. She was compelled. Like an itch that demands a fingernail, she felt an intense desire to stop. She placed her feet on the ground and turned to face the mayor's house and the library window, and she saw. Certainly, she should have known this might happen, but she could not hide the shock that loitered inside when she witnessed the mayor's wife standing behind the glass. She was transparent, but she was there. Her fluffy hair was as it always was, and her wounded eyes and mouth and expressions were held themselves up for viewing. Very slowly, she lifted her hand to the book thief on the street, a motionless wave. In her state of shock, Liesl said nothing to Rudy or herself. She only stated herself and raised her hand to acknowledge the mayor's wife in the window. Définition numéro 2 du dictionnaire Duden. Verzeihung. Pardon. Action de cesser tout sentiment de colère, d'animosité ou de ressentiment. Synonyme. Absolution. Grâce. Miséricorde. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent au niveau du pont et examinèrent le lourd volume noir. En le feuilletant, Rudy tomba sur une lettre glissée entre deux pages. Il la prit et se tourna vers Liesl. Y a ton nom inscrit dessus. L'eau de la rivière coulait. Liesl prit la feuille de papier. La lettre. Cher Liesl, je sais que tu me trouves pathétique et exécrable. Si tu ne connais pas ce terme, regarde la définition. Mais je ne suis tout de même pas sotte au point de ne pas remarquer tes traces de pas dans la bibliothèque. La première fois quand j'ai vu qu'un livre manquait, j'ai cru que je l'avais mal rangé. Et puis j'ai vu les empreintes de pieds sur le sol à certains endroits, quand la lumière donne dessus. Ça m'a fait sourire. J'étais heureuse que tu aies pris ce que tu estimais t'appartenir. J'ai alors commis l'erreur de croire que cela ne se reproduirait pas. Quand tu es revenue, j'aurais dû être furieuse, et pourtant cela n'a pas été le cas. La dernière fois, je t'ai entendue, mais j'ai préféré ne pas bouger. Tu prends un seul livre à chacune de tes venues et il faudra compter un bon millier de visites avant qu'il n'en reste plus. J'espère seulement qu'un jour, tu frapperas à la porte et tu pénétreras dans la bibliothèque d'une manière plus civilisée. Je tiens à te redire combien je suis désolée que nous n'ayons pas pu continuer à employer ta mère nourricière. Enfin, j'espère que ce dictionnaire universel te sera utile pour lire tes livres volés. Bien à toi. Il s'arrête. On fera mieux de rentrer, suggéra Rudy. Mais Liesl ne bougea pas. Pourrais-tu m'attendre 10 minutes? Demanda-t-elle. Bien sûr. Liesl se força à retourner aux 8 grandes traces
et s'assit sur le territoire familier de l'entrée principale. Elle avait laissé le dictionnaire à Rudy, mais elle tenait la lettre pliée à la main et frottait ses doigts sur le papier, tandis qu'elle sentait de plus en plus le poids des marches autour d'elle. Elle essaya à 4 reprises de cogner sur la surface impressionnante de la porte, mais elle ne put s'y décider. Elle réussit tout juste à effleurer le bois tiède avec ses phalanges. À nouveau, son frère vint la trouver. Son genou cicatrisait gentiment. Du bas des marches, il lui lança « Vas-y, Lisa, elle frappe !» C'était la seconde fois qu'elle prenait la fuite. Elle aperçut bientôt la silhouette de Rudy au loin, près du pont. Elle sentait le vent dans ses cheveux, ses pieds appuyés sur les pédales. Lisa Meminger était une criminelle. Mais pas parce qu'elle avait dérobé quelques livres par une fenêtre ouverte. « Tu aurais dû frapper », pensa-t-elle. Elle se sentait coupable et pourtant, elle ne put retenir un petit rire juvénile. Tout en pédalant, elle essaya de se tenir un discours. « Tu ne mérites pas d'être aussi heureuse, disait-elle. Vraiment pas. Peut-on voler le bonheur? Ou est-ce une super chérie humaine de plus? » Lisette repoussa ses pensées. Elle franchit le pont et dit à Rudy de se dépêcher en faisant attention à ne pas oublier le livre. Ils filèrent sur leur vélo rouillé. Ils filaient vers leur maison, vers l'automne qui succéderait à cet été-là et vers le souffle assourdissant du bombardement de Munich. Et pour... So, oh, sorry. Ah, okay. Pour ce genre... And we have like 3 questions for this chapter. So what do you think were Rudy's reasons for getting disqualified? How is the stealing of the Dundon Dictionary and Thesaurus different from the stealing of the other books? Et pourquoi est-ce que Lisa ne frappe pas à la porte des Hermann? Et c'est tout pour aujourd'hui. On vous verra la semaine prochaine pour continuer partie 7. Merci. So that's all for this week. We'll see you next week to continue part 7. Thank you. Bye. Au revoir.